Bon, là les potes, je viens de recevoir un de ces colis, deux colis même. Il y en a un que je vous présenterai dans une semaine ou deux. On verra selon si j'ai le temps. Bref, j'ai commencé à ouvrir. Je vous présente ça de suite. Voilà avec quoi on se retrouve. Un des nouveaux jogging Nike que je pense va faire vraiment fureur. Donc voilà, vous pouvez voir. Ici la languette Nike, ici c'est marqué standard fit coupe standard, voilà avec le logo Nike, vous avez même le prix, ici le prix, donc voilà je vais être super content de vous présenter ça, voilà dry, il y aura tous les détails, hein, il y aura tous les détails dans la vidéo, ne vous inquiétez pas, voilà Nike dry, voilà, hop c'est un des derniers. Dernier jogging de chez Nike et à tout de suite pour vous le présenter. Donc les potes, aujourd'hui on est sur du Nike Academic Trunk Bike. C'est pas du tout ça. Pour le prix, on en est pour 40 euros avec les 4 euros de Redbird parce qu'on a commandé forcément chez JD Spur. Pour la matière, 95% de polyester et 5% d'élastane. Donc attention aux trous de bouletasse. De la taille, j'ai pris du S en conséquence avec ma taille parce que je fais 1m69. Donc forcément, quand je fais 1m69, même les S, même les XS, ça sera jamais à ta taille, les XS ça sera toujours trop petit, trop serré, et les S il y aura forcément un petit débordement au niveau du mollet où ça va être un peu plus épais, où ça va être un peu plus ample, comme ici par exemple c'est vachement ample, mais d'un sens tant mieux parce qu'un bit c'est pas forcément joli. Pour éviter de vous faire peur, ne vous inquiétez pas, le S me va quand même à peu près bien, il y a quand même des petits ourlet en plus, mais c'est vraiment pas méchant, ça colle vraiment à la peau, par contre c'est super agréable, ça porte énormément chaud, vous risquez de transpirer beaucoup dans cette matière là bien évidemment, et c'est normal, c'est fait exprès puisque normalement ce genre de jogging là c'est fait pour faire du sport les mecs et pas pour se trimballer dans la rue toute la journée avec, mais bon c'est comme ça, c'est la mode du kekar et on peut rien y faire. Donc vous pouvez voir un peu l'effet au mollet, ce que ça donne même au niveau de la cheville, ça fait, c'est pas trop serré, c'est pas à fond serré, après je l'ai pas encore lavé donc ça changera peut-être au lavage, par contre on voit bien qu'au mollet bah, ça colle super bien, au niveau des cuisses ça colle super bien, je vous montre même ici, voilà, c'est quand même assez, assez différent de mon ancien jogging Nike, Nike Air que je vous avais présenté, ça change vraiment énormément. Pour les détails, c'est tout simple, il y a juste le logo Nike ici en blanc qui est vraiment assez, on va dire, conséquent, qui se remarque vraiment beaucoup puisque le coloris du jogging en soi est complètement noir. D'ailleurs, en parlant de coloris, vous pouvez en avoir des gris, des bleus, des rouges, je crois, de la même marque exactement avec le même code produit d'ailleurs que je vous mettrai en description. Il y aura tout en description de toute façon, comme à chaque vidéo. Après, bah, c'est la poche. Au niveau de la poche, vous avez deux poches, ça c'est plutôt bien, mais après c'est des toutes petites poches. Et vous avez cette petite sorte de lanière ici qui descend jusqu'à votre, comment dirais-je, genou. Et voilà, qui donne un style assez basique, mais simple. Hein. Je sais, je la ressors plusieurs fois celle-ci, mais c'est quand même une phrase qui a du sens, tout simplement. Voilà les potes, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve vraiment très vite d'ailleurs pour vous présenter ce t-shirt. Oui, parce que vous vous demandez qu'est-ce qu'il fout dans cette vidéo alors qu'il n'a pas été présenté dans une autre. Eh bien, c'est parce que j'ai pas eu le temps en ce moment. Je vous avoue que j'ai eu plein de rendez-vous. Bref, ça vous regarde pas et c'est pas vos histoires.
Je vais vous le présenter dans pas très longtemps et il y aura une autre surprise d'une marque un peu plus grosse que Fila et qui se démarque grâce au rappeur PLK. Donc ceux qui pensent savoir la marque que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo très prochainement, marquez-moi le nom de ce fucking rappeur. Et au final, on va pas se mentir, il fait vraiment du lourd. J'allais presque oublier tellement j'ai plus l'habitude. Peace, mais pas sur moi.